bonjour avec la magie du cinéma, nous voici dans un nouvel épisode. Et là, oh! Et là, oh! Il y a des passages à chacun. On résume, on est sur ce style-là depuis déjà un moment, on a besoin de trouver un médicament pour la fille du chef du village. Et là aussi, il faut aller dans un village fantôme, trouver la boule de cristal d'une diseuse de bonne aventure. Donc, ça fait beaucoup de choses à faire, c'est pour ça qu'on l'a divisé en deux épisodes. Ça puis, semble être le village fantôme. Puis il faut trouver un G-string pour se déguiser en fille. Oui, il faut se déguiser en fille aussi pour rentrer dans le château. Et il y a une grotte là-bas. Oh, ça c'est le village fantôme. Donc, il faut trouver la boule de cristal qui est au fond de la mort du village. Qui est pas mal là. La musique me fait peur. Là, c'est peut-être une affaire de tomber dans une pierre tombale. Là. Poussé. Il n'y a pas de poussé là-dedans, mais il y a beaucoup de pensées. Ah, ben là. C'est pas de la même couleur. Tu sais. Ah non, un donjon encore. On n'a même pas eu de nouveau cœur. Mais peut-être dans l'escalier là-bas, il y en avait. Pas alors, des guenons mutants ailés squelettes. Ouais, sans ailes, c'est bon ça. Ouais. Ou c'est des petits chiens. Pido, pido. T'avais testé les Switch. Yes. Les Nintendo Switch. Ouh. C'est vraiment le nom le plus haut, ça. C'est une Switch. Mais lui qui garde Nintendo. Mais la NX existe peut-être aussi. Oh. Bon, ça. Name code. Ah, ben ça passe maintenant. Et ça ouvre une porte en bas. Il y a une porte en haut. Huh. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends les chemins les plus improbables. Les pièges. Oh, les démons sont invisibles? Yes. Tire. Wow, les démons sont invisibles vraiment. Ah, c'est des serpents invisibles. Non, tu peux, mais... Tire. Ah. Oh! Invisible. Ah. Les autres, je pense qu'avec du feu, tu les ferais brûler avant. Tu vas faire ça dessus. Va-t'en. Une autre porte? C'est un donjon qui va vers le bas, c'est spécial. Qu'est-ce que c'est? Ah! Un bâton de feu! Si ça va nulle part. Ouais, c'était une magie, je pense. Ça fait brûler l'écran. J'imagine. Ah! Oh! C'est des serpents qui se promènent des côtés? Je sais pas. On voit rien. Ah, c'est parce qu'il y a un item, je pense, qui te fait voir cette affaire-là. Peut-être. J'ai l'impression qu'il aurait fallu aller à l'autre côté. Y aller. Non, on peut pas sentir, c'est bon. On va mourir. Non, on va aller jusqu'au bout. On va aller voir en haut ce qu'il y avait. On peut être voir. C'est sûrement un piège. Ou des potions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une salle de. Ça, il y en avait dans chaque donjon caché une pièce avec des potions. Et on va aller voir en haut cette fois-ci, qui est sûrement un piège. Non! Ah, c'est une salle de feu. Voilà. Mais l'escalier là, je pense qu'elle m'en arrive. C'est trop louche. On se disait justement, il y a longtemps qu'on n'a pas vu une petite salle relax. Hein? Musique de spa. Oh, ben ce serait une bonne occasion d'aller voir ce qu'il y a dans l'escalier là-bas. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a un cœur de. Un cœur. Un truc pour voir les fantômes. Ah oui, ce serait bien parce que là, on se fait chier. Alors, on va revenir. Pas de trouble dans cet épisode. Ici, on a vu un escalier étrange. C'est pas mal mieux que rien. Qu'est-ce que t'en penses? On a un nouveau cœur. On voit pas plus les fantômes, mais on a un nouveau cœur. Puis l'autre grotte, t'as amené où en bas, si j'imagine que ça va revenir? Ok, c'est correct. On va y arriver. Ah!
Nous revoici dans le donjon avec un cœur de plus. Et là, ça commence à... à avoir du sens. Là. Ça va... On commence à être plus tough. Et les ennemis enlèvent 8 cœurs de la shot, fait que... ça change pas grand-chose. Alex aime jouer avec son livre. T'aimes ça jouer avec ton livre? Oui, surtout dans le noir. Alex joue avec son livre dans le noir. Les confidences d'Alex. Souvent, je peux jouer avec rayures dans le noir. Non. Il manque une armure ou quelque chose. Pour l'instant. Je sais pas si le 2, c'est... Ah, non, ouais. Je pense que c'est des fantômes qui se promènent. Pas des fantômes, des serpents. Ça se peut. Fait que tu fais attention, par la tête suivante, t'en as pas, mais l'autre d'après. Ouais. Ici, c'est les mômes. Ouais, je pense que je vais couper mon bout. On va prendre quand j'ai une pièce. Donc voilà, on a été chercher le cœur qui nous manquait et on est revenu ici. On sait qu'en haut il y a 2 cœurs, mais là on les prendra pas. Ici attention, gauche-droite il y a des fantômes. Quand tu vas essayer ton bâton. Ah ah! Ça sert à ça! Et voilà. Donc bien pratique ce bâton qui fait apparaître les fantômes. Parce qu'il fallait que tu penses 2 fois, puis là tu te serais fait chier. Yes. Il aurait espéré qu'il crève tout d'une fois. Ben, déjà des voix sont pas trop durs. Les autres sautent. Ouais. T'as eu au milieu ici. Non, très bien. Par le milieu. Tu vas tester les switches. Intéressant. Oh! Faut par le milieu. Ok. Il me reste des possibilités. Genre en haut ici. Pas ici. Je vais le côté. Ah! Faites sauter le mur, Alex. Donc, il y a un passage en bas. Ah non, un fantôme. Tu l'as tué? Non, tu l'as? Je pense que tu peux pas y... T'es pas quoi, t'es prêt à défendre. Sûr? Ben... Il semble que oui. Cette pièce est louche. Oui. Très louche. Un fantôme ici. Ok. C'est vraiment bizarre comme pièce. Il y a juste une limace. Ah! Regarde! Prends pas l'escalier. Elle va te sortir. Regarde, en bas de l'escalier, il y a une tache. Pour tourner à droite. Ouais. Fait que prends pas l'escalier. Yes! C'était un piège. Ah! Ben regarde! On peut aller chercher nos cœurs. Très bien. Donc deux cases vis-à-vis l'autre. Ici. Non, l'autre au-dessus. Hein? Non. L'autre au-dessus? Ben là. Elle est juste ça doit être pour revenir. Ah, ok, ouais, tu passes par en bas. Ouais. Ça tourne en rond, mais 2 cœurs, ça vaut vraiment la peine. Il y a peut-être un fantôme ici, tu sais. Non. Genre de... Ah, là, il y en avait un! Mais... Piège à con. Ouais, faut ouvrir la porte. Ça a l'air que là. Il y a des gens qui viennent fermer les portes pendant qu'on est pas là. Ah, fais apparaître le fantôme, hein. Ah, on est pas gaspillage. Pourquoi t'as fait ça? Qui c'est qui t'a dit de faire ça? Quelqu'un de méchant. T'as-tu tué ça?
Ah non. Ouais, ça se tue. Ouais. Non. C'est quoi juste? Un mini volcan. Ah, ici, là. Ça, du squelette. C'est du genre à jumper en surprise sur toi. Ouais, un repli stratégique. C'est un problème. C'est longtemps qu'on a plus des étoiles, je trouve. Attention! Bon, finalement, le... merci pour l'étoile. Le squelette est le dernier à partir. Boum! Chakalaka. Ça va. J'espère qu'il n'y a pas de fantôme. Je m'attendrais à ce que ce soit juste ça. Dès qu'il y a un ennemi, je suis assuré. Tu voulais pas tester gauche-droite en haut avant d'aller en haut. Oh! Non. Ouais. C'est pour voir dans le noir, pour éclairer les pièces noires. Ça doit être un one mute. J'ai le nom avec ça. C'est l'usage juste dans les pièces noires. Juste ça. Waouh! Flèche en bas, ça se tente, flèche en bas. Là, j'essaie de tuer tout le monde. Ah, ça dure même pas tout le long! C'est bien chiant! Donc, ouais, ouais, saute là. Puis là, on peut sauter partout. Puis la grille est là pour passer. Mais là, il y a trois calpes qui revient, c'est vraiment chiant. Ok, si on passe. Ah, c'est aussi bien que sinon. Un peu, c'est lui qui s'enfonce. Ah! T'es en bas. Ça revient un peu dessus. Ok. On est peut-être sur le chemin. Peut-être, mais... Oh shit! Merde, c'est bien chiant! Fallait lui tuer un peu. C'est à toi de voir ce que t'as mis. Fuck off! C'est bien caché quand même. Ils ont bien caché ça. Comme des champions. C'est lui qui... Attention, il marche là-dessus. Hein. Fait qu'ils sont juste deux. Un, ça c'est rien. Yeah. Ouais, on fait la razzia du centre. Oh là là. Hey, oh, ça va faire du bien. Ben, c'est un mot aussi. Ouais. Un beau boss. Ici, gauche-droite. Ah, il y a tout ça dans l'autre pièce. Non. Puis ça, il y a autre chose. Puis le milieu en haut, non plus. Faudra tuer les mains. Je les ai tués tantôt. Mais peut-être qu'après les avoir tués, on peut accéder à peut-être les switch d'une, c'est pas bien. Ils sont tough. Okay. Non. Ils donnent ça pour une raison, mais pas c'est plus.
tu montes en haut au milieu. Non. Milieu ou en haut, tu suggestes. Milieu ou bas. C'est pas random, c'est que genre. Tu peux pas revenir, c'est ça, là. L'autre salle est barrée. Fait que c'est soit cette salle-là ou pas l'autre. Ah, mais t'as-tu fait le truc des fantômes dans là? Ouais. Dans les deux pièces. Ouais. C'est pour ça que je suis. Ben, c'est là. T'as deux fantômes ici. Ils sont cachés dans les mains. Ici, dans cette pièce-là. Je l'ai pas fait dans celle-là. Tu l'as pas fait dans celle-là. Moi, je l'ai fait dans celle-là aussi. Et voilà. C'était ça le secret. Je vais te le dire quand l'utiliser. Là, juste là. C'était quoi? J'arrive à ce côté. Ah, c'était un cul-de-sac. L'endroit où est-ce qu'ils m'ont bien fait de revenir. Ils font un remake de la momie avec Tom Cruise. N'importe quoi. Ah, ok, vous prenez un plus vieux monsieur encore pour faire un remake. C'est n'importe quoi. J'aurais pas fait de remake puis la momie était correcte. Wow. Explosé. Parce qu'ils n'ont plus de. Hollywood n'a plus de. Inspiration. Ça coûte moins cher faire un remake. C'est sûr que le monde a du nostalgie. Il y a ça. Okay. Les gens qui ont aimé la. C'est un peu absurde. Ok. Oh non, les étoiles ont disparu. Et voilà, la momie est morte. Bon. Descends. Ici, utilise ton fantôme. Ton truc pour le fantôme. Il y en a un. Ouais, va le tuer. Parfait. Ça, c'est des cœurs. Vas-y dessus. Où tu iras après, c'est la bonne porte. Ça sert à rien, ouais. Faut pas que tu la repasses. Ça, c'était le bonus caché. Où t'as tué le fantôme. Yay! On est full! Et c'est un bon moment pour vous dire la vie. Ça s'est coupé au montage. C'est un bon moment, ça. On aime ça. Tu as un glitch dans le match? Oui. Je pense que oui. Hey, on approche la fin de ce donjon.
Je le sens. Je le sens. Mettons à gauche. Oh, oh. Peut-être. Ouais. Wow, ok, ça reprend juste un coup quand c'est bien fait, c'est ça? Non. Non, je te chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, ça prend toujours un peu. Les autres me sentent qu'il y en avait plus. Ah, mais toi, vite, elle va disparaître. Oh, c'est-tu que c'est long? Deux, deux secondes. Ça vraiment pas longtemps, les étoiles. Je sais pas c'est quoi le but de faire disparaître ça si vite. Le jeu a-tu besoin de tant que ça nous montre? T'aurais pu rester en bas. T'es capable de sauter ça. Là aussi. Mmh. Je peux sauter dans le talon. On a besoin dans la pièce d'à côté. Genre ici, tout de suite, là. Là, là, tout de suite. Puis on va avoir peur. Ah! Ouais, ça c'est bon, le troisième. Ça va. Oh shit. Attention. Des fantômes qui meurent. J'ai de l'espoir. Une chance qu'on est full. Oh! Non, encore. Attention, il te reste juste 13 bâtons. Oh! Je crois que c'est la fin, non? Ou il est juste en frénésie. Il est pas mort. Continue. Attention. Oh là, ça y est. Ça y est. Il n'est pas content. Il a. Ah. il a arrêté le feu, c'est gentil, mais il ne te restait plus de bâton, hein. C'est vraiment de justesse. Pile poil. Pile poil à poil. Le sac, ça varie. Ben, il y a une switch cachée. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est glorieux. Hein? Wow! T'es en train de vider le lac? Ah! Là, faut que tu repasses à travers tout le donjon. On va se noyer! On va se noyer! Il saute puis il meurt. Escalier, s'il vous plaît. Ok. Ah ben là voilà. Ça fait un trou dans le lac. Et voilà. Alex, en plus d'aller dans un village fantôme, de tuer les restants fantômes qui restaient dans ce pauvre village-là qui dérangeait personne, il est allé vider leurs ressources naturelles d'eau. Tout ça parce qu'une conne a échappé sa boule de cristal dans le lac. En allant marcher dans un village fantôme. Je comprends pas. Je te comprends pas, Alex. You got the ball! Pourquoi faire 5 quand on peut faire compliqué? On peut se tomber dans le trou. Bon. Pourquoi faire 5? Non, je sais. Un filet, là, avec une perche, là. Bon, aller chercher l'anneau. Il y avait quand même un mécanisme prêt dans le fond du lac pour vider le lac. Fait que. Ouais. Chapeau, quand même. Bon. Là, on va aller porter la boule de cristal à la madame dans le château. Et j'imagine que c'est elle qui va nous donner un remède ou un déguisement de madame. On va se faire passer pour elle pour entrer au château. Je pense que oui. Hey, on est rendu dans Final Fantasy. Là. La quête des lutins. Lali. Oh my godness. Tu as ma boule de cristal. S'il te plaît, donne-moi là. Ça aurait été drôle qu'elle soit brisée. Ouais. Donner la balle de cristal à la madame. Je suis de retour dans mon commerce. Merci. Tu veux entrer dans Chicola? Hein? Tu veux? Chicola? Non, c'est juste permis aux femmes.
Voici ce que... Oh, elle nous a transformé en travesti! Pouvoir de travesti activé! Vous êtes habillé comme une fille. Ça pourrait marcher. En passant, laisse-moi lire ta bonne fortune, ta bonne aventure. Can foresee. Mm-hmm, elle peut voir une vie prend plus de risques. Un pont au-dessus du trouble de la difficulté à échapper. Oh, un méchant des pouvoirs mystiques qui vient des étoiles très lointaines. Ça, c'est un alien. Mm. Je suis certaine que ces pouvoirs qui comptent, c'est ceux qui contrôlent les monstres ici. Bon, c'est ça. Dans les profondeurs. Oh, mais non, désastre. Hey, on peut pas continuer. On voit un truc tragique en avant. Oh, my, oh, my. Ok. On s'en est, madame. Ah, on est beau. On est radicaux, là. Yeah, on est dans le château de femmes, des Amazones très, très viriles. C'est une guerrière de Chicola. Ah, ils sont occupés à s'entraîner. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici, juste? C'est-tu ici qu'on prend le remède? Ou on vient juste mater les madames déguisées en madames? Probablement mater. Pff, c'est louche, tout ça. Mike. Un signe de femme. Oh, bien observé, Alex. Mmh. En effet. Mmh. Le symbole de la femme. Mmh. La femelle. Le mâle est femelle, ça c'est femelle. Oh. Le mâle, c'est la petite flèche qui représente le pénis. La petite flèche. Non, ici c'est seulement les femmes, c'est pour ça qu'on est déguisé en travesti. Oh! Oh! C'est la reine de Chicola! Elle a entendu qu'une bataille s'est passée au village fantôme. Ben oui! On a tué un gros fantôme. Tu as détruit tous les fantômes du village fantôme? Hanté. Wow, tu es une super girl! C'est quoi ton nom? Tu réponds. Michel, c'est mon nom. Michel, c'est un bon nom. Je t'aime. Pourquoi te joins-tu pas à nous? You see, tu dois visiter la montagne de l'ermite? Ah, oh, tu vas nous manquer. To our Edward first. Ok, on va sauver du temps si on va voir la chef des guerrières. T'as une foi forte! Comme un homme! Hmm. Tu tousses. Ah, je vois, tu as une grippe. Michel. You have. Oui, on a un star, notre yo-yo. Oh! Shooting star! Une meilleure arme. Permanente. Wow! Elle a refusé de bite typique. Notre arme a été upgradée. Sixth red heart to handle the shooting star skill. Ok. Quand on a 6 cœurs de plus, là, notre truc lance. Oh. C'est comme l'épée. Mais l'épée, il fallait que ce soit plein dans le jeu. Là, ça marchera pas. C'est quand même. Mais j'espère qu'elle fait plus de dégâts aussi. Mais elle l'a pas dit, fait que je pense pas. Ça doit être elle, la chef de guerre, ou là? Bon. Ouais, oh. C'est elle. Tu veux travailler. Ouais, chante. Ah, faut crier abracadabra et jump 10 fois à la fin du tunnel. Ok. Merci. J'aurais été capable de deviner ça, c'est sûr. Oui. Non, c'est, faut les enlever là. On reste pas comme ça là. Pourquoi pas? Je vais me déshabiller. J'ai fini. La bouche. Elle est partie en courant. Pour avoir enlevé les vêtements d'un enfant. Very cute. Bon, alors, c'est de toute évidence, il faut prendre le chemin de la plage. Mm. Probablement que si on avait essayé cette grotte-là, plus tôt, on aurait été bloqué.
Parce qu'on savait pas qu'il fallait sauter 10 fois sur place en criant abracadabra. Hey, un autre donjon. Mmh. Cette île-là est assez massive, là. Avec la chance, ce sera un peu plus court. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abracadabra! J'avais pas besoin de crier. Ben voyons, ils sont donc bien gentils. Oh yeah! Yeah! Oh, ça va un petit peu plus loin. C'est ça quand tu te... Ouais, c'est quand même cool. Pratique. Oh, oh shit. Ah ben c'est là quoi. Vite, va chercher les toiles! On fout les toiles. Tu veux pas tes cœurs. Ça sert à rien, quoi. Je sais. Good. On apprécie cet upgrade d'armes. On dit merci à la madame. Ça valait la peine de se déguiser en femme. On va voler une arme. Quand ça le c'est un long tunnel, quand même. On a été assez éprouvé sur cette île-là. Si t'en penses. Ah, c'est ça que je faisais. Je me gardais toujours 4 étoiles quand j'étais plein. Il y a peut-être un fantôme. Non, peut-être pas. Cogne dans la porte. Ah! Et voilà. Il doit arriver de l'autre bord. Ici, mettons. Ah! Oh. Je pense qu'il y a un bug ici. Yeah! Libération! On revient porter... Le... On va voir l'ermite. Ah! Oh. Très peu de points, c'est pas chiant. Ben, c'était tout petit. Mais ça, c'est... Il y a peut-être un passage ici. Où est l'ermite? Oh! Il y a un passage là, mais par expérience, il ne faut jamais passer par les bons chemins. En fait. Non, 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 l'ermite habite en haut de la montagne. Non, il ne se ramène pas. Ok, on va aller voir. Hey, c'est gros ce style-là, hein. Ça n'a aucun rapport comparé aux autres qu'on a fait. On va voir l'ermite. J'espère qu'ils vont pouvoir réparer notre sous-marin. Ah ok, c'est ça. Hey, j'ai l'impression qu'on va couper l'épisode encore. C'est un peu long. Ah, je suis un tas de merde. I'm poop. Le fameux poète du sud de l'île. Est-ce que tu aimes mes poèmes? Je sais pas, tu ne les as pas lus. Pluie qui coule, qui tombe du paradis. Fontaine, printemps, femme de la terre. Un lifting dans ma face de mon esprit haut. Oh. C'est tout. Elle joue de la guitare. Wow. À quoi tu sers, madame? À quoi tu sers, monsieur? Je juge pas. C'est pas une ermite. Ben écoutez, on va sauvegarder. Oh! Alex, t'es peut-être sur une piste de quelque chose. Peut-être de quoi te cacher derrière la maison. Peut-être qu'en continuant par là-bas. Bon, écoutez, on va couper ça ici avant d'entrer dans la grotte, puis on va se rejoindre dans un autre épisode de Jub sur Star Tropic, qui est un jeu, je pensais que toutes les îles étaient à peu près pareilles, mais c'était là vraiment long. Alors, à bientôt!